Salut à tous, c'est Sorator pour un nouvel épisode sur Devil May Cry 5 sur PlayStation 4 Pro pour la mission 11, la raison, avec Dante. Je suis pas encore hyper au point avec son gameplay, même si ça commence à rentrer un petit peu. Donc j'ai débloqué les niveaux 2 de ses styles, mais du coup j'ai pas regardé les manips, donc ça va être un peu au pif. Notamment les trucs avec les guns. Parce que je me rappelle dans les premiers, il avait un truc genre il était en l'air et il faisait l'hélicoptère avec les guns. Je sais tellement pas si. Ah bah si. Après, je sais pas si ça fait le taf. En termes de dégâts. Mais ça pue le style. Ah, il avait un combo aérien maintenant. Par contre, c'est bizarre parce que du coup, tu tapes avec triangle. Mais en l'air, faudra appuyer sur rond pour faire le combo tout en étant dans le bon style. Parce que si je suis sur le style gun. Et ouais. Oh, oh. Du coup, ça fait un perso assez technique. Parce qu'il a 4 styles. Il a 2 armes au corps à corps, 2 armes à distance. Peut-être plus par la suite, je ne sais pas. Enfin, c'est. Du coup, waouh. C'est, voilà, c'est, ça fait un truc un peu complexe. Salut Léa. D'accord, on parlait des jeux de lancement de PS5 et Pro qui dit qu'il préfère avoir Knack 3 comme lancement que Bloodborne 2. Bah, c'est vrai qu'un jeu de lancement sur la console, en fait, du coup, c'est un jeu qui est assez limité, c'est sûr. Bonsoir Elena. C'est pour ça que je disais juste après, ce qui serait bien à la limite s'ils veulent faire ça, c'est que Bloodborne 2 sorte sur les deux plateformes. À la fois sur PS4 et sur PS5 pour accompagner le jeu. Du coup, on a une épée magnifique. Même si c'est le même set. Ah, elle change un peu de forme. On dirait une espèce de faux quand... Ouais, enfin ça va tellement vite, on le voit pas très bien. Du coup, lui, il a airblock avec ce truc, et lui, il a un dash aérien. Ah, même pour se déplacer, pour atteindre des trucs peut-être, je ne sais pas. Bon, par défaut, pour l'instant, on reste sur le dash. Le mec trouve BB2 limité. What the fuck, j'ai rien compris. Poro, tu peux, Charlie, tu peux arrêter de déformer mes propos? C'est un peu dérangeant. Si tu veux me déformer, déforme autre chose, merci. Du coup. Hop. Ce qui est chelou, c'est vraiment le combo aérien, devoir le faire avec rond sur le style épée, quoi. Après, tu peux faire ça avec le style gun, wesh! Du coup, j'ai même pas essayé avec ça là. Ok. Ok, il peut faire des combos en l'air avec ça. Ouais, du coup, j'essaye des trucs avec le fusil à pompe, vous les regardez. Ah, c'est moins classe. Ok. Salut Kibix, welcome. T'es pas très gentil, Charlie. Je me porte volontaire gentiment, le mec. Ah, ok. Ouais, la seule difficulté, ça va être dans le style que je veux au bon moment. Ah, je sens. Alors du coup, on va tester un truc. Bon, voilà. Tu peux taper dessus et pas à côté. Merci. Tu peux faire des combos enfin, propres. D'accord, si tu peux toucher aussi peut-être, non? Alors, il faut tellement jongler. Oh.
pas loin de faire la capoeira. Je crois que je vais retirer ce que j'ai dit hein, sur le fait que Niro est plus stylé. C'est qu'il faut un peu comprendre ses mécaniques. Capoeira, wesh wesh. T'as pas de test. Acide, wesh. Le mec interprète mal mes propos. J'ai pépé. Bon. Non, finalement c'est pas mal. Mais du coup c'est fou d'avoir un jeu comme ça avec trois gameplays vraiment différents. Ce qui demande j'imagine pas mal de temps. Ils ont fait du bon taf là-dessus. Attends, mais par contre... je vois qu'il y a un... pentacle... mais... what? D'accord, j'avais même pas vu qu'il y avait un trou, hein, JPP. Pas trop le truc qui fait le plus de dégâts rapidement. C'était pas ça. Alors du coup moi je veux voir le pentacle. Il est pas du tout complété donc ça doit être à partir de... attends. Qu'est-ce que... hein? À moins d'avoir... ouais peut-être plutôt de là-haut je pense. D'accord, ça fait carrément bouger les bâtiments, ok. Je n'ai aucune idée de l'endroit où je vais, ni de ce que je fais. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas genre des trucs qui sont accessibles tant que j'ai pas pété toutes les racines, je sais pas. C'est pas impossible. Mais tant pis. Ah, il y a un truc là-haut, mais... ah, bon, tant pis. Après, ça fait plaisir de voir quand même que... ils sont capables de faire de la qualité, parce qu'ils l'ont fait avec le remake de Resident Evil 2. Ils l'ont fait avec ce DMC 5. Donc il faut garder l'espoir, Acid. Garde l'espoir. Believe in her. Ah, d'accord, c'était... oh non, 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 non. C'est des relous. Je suis pas sur le bon style. Bah ouais, bah... j'ai dit, le mec vient pas avec moi. Choqué, déçu. Bon, la vraie difficulté, c'est de jongler entre les styles en fait en fonction de ce que tu veux. Par contre, on en parle de son œil dégueulasse, celle-là. D'accord, des bombes œil. Tout va bien. Mais c'est horrible son truc, il met des bombes partout. Pendant que tu le tapes, du coup, ça vient te faire des dégâts. Putain, insupportable. Ah,
Pourquoi ce jeteur d'œil là? Putain. Chien sur 20. Believe in what? I don't know. Du Minecraft? Bah tu crois pas si bien dire. Ah, demande à Poro. D'accord. Bah, Acid, ils auraient pu se fail hein, sur Resident Evil 2, hein, really, hein. Ils auraient pu faire de la grosse merde, hein. Ils ne l'ont pas fait. Ou ils auraient pu faire un truc de feignant, enfin non, ils ont... Pour moi, ils ont fait du bon taf, hein. Bah pour demain, pour le Minecraft, pour Olulu. En vrai ça va peut-être pas se faire. Mais Minecraft, c'est tellement 2014 quoi. D'accord, tu veux pas aller dans le... Merci. Mais alors du coup, attends, je suis où là? Je suis allé partout, je sais plus où j'en suis. Parce que le pentacle il était là-haut. Mais... OMG. Attends, parce que du coup... Bah du coup, ouais, ça ressemble plutôt à ce que c'était tout à l'heure. Il manque un bout de pentacle, et je sais pas où il est, je pense qu'il fallait pas faire tout descendre. Et là, il y a un truc en hauteur. Ah non, le pentacle est... Il y en a un bout qui est là en face. What the fuck. Je déteste ces bouchers là. Je peux te taper dessus et pas à côté. Oh, Ira, tu peux pas faire ça. Je suis en train de changer de style, enfin de passer au point. Ouais, d'accord. Tu peux taper dessus et pas à côté, non? Je pense que j'ai fait une boulette pour débloquer les trucs. Parce qu'on voit un bout de pentacle là-haut, un bout derrière. Il doit y en avoir un autre bout, je sais pas où, mais il a dû s'écrouler ou je sais pas quoi. Moi qui en ai un bout là, non. Bon, tant pis. Hein. On va pas chercher. D'accord, un coup de fusil à pompe, ça les tue pas. What the fuck? Ah, pardon, je savais pas. Bon, ça fera toujours des points en plus. Mais tape dessus. Bon, salut, je me tire. Oupinaise. Il a les mêmes veines violettes là que les bouchers vénères. Hein. Je pense que c'est un mob un peu vénère. Qui peut invoquer des gens, tout va bien. Commandant. Haut de faux. Mec. Calme. What the fuck? J'étais pas prêt. Attends, hop. J'allais être touché. Oh merde, j'ai dit. Viens. Ah, ce qui est chiant du coup, c'est qu'ils se font gerter. C'est quoi ce mob?
Ouais, non, mais ouais. Va falloir se calmer. Putain, j'essaie de bourriner, ça a marché un petit moment. Mais oh, je les vois pas venir ces attaques. Hein. Mais OMG! Capoeira, wesh wesh. Ouais, mauvaise idée. Mais stop te tirer dès que je te mets par terre. Oh, il est so chiant. Putain de chiasse. Alors, pour faire un race sur ce mob, faut s'accrocher. Tu peux même pas faire des gros combos, enfin. Un petit peu chiant, hein. Ouais, du coup, j'aurais pu me transformer. Alors, attends, y'a rien de planqué. À première vue, non. Après, je sais pas si dans le jeu ils ont mis genre des petits clins d'œil. Ils auraient pu mettre genre dans le décor des fois des petits items de licence Capcom. Je sais pas si c'est le cas, j'en ai pas encore vu. Oh non, encore. Zéro dégâts. J'ai fait peur. Oh, quand même, je suis enflammé là. Ah, mais ils m'attendent à la réception. Vous êtes vraiment des petits caca. Ah putain, j'ai vu le moment où il va cracher. Super. Bon, c'est hyper chiant parce qu'à la réception, il y a les putains de cavaliers qui me tapent dessus là. Nique ton pain! Il va péter, oh putain de chiasse. Moi il est plus là. Mais un coup je comprends pas, un coup il fait un uppercut, un coup non. Parce que c'est moi qui fais une manip que j'ai pas compris, genre incliné dans une direction. Je ne saurais le dire. Aïe, stop et tire fou là. For you, bitch. Ah, il est parti. D'accord. J'espère.
Oh mais c'est les pires ces machins. Non. Je connais pas tes patterns, c'est hyper chiant. Et capoeira. Quoi? Yacide. D'accord. C'était pour le mode... Le mode pour Resident Evil, là. C'est quoi ton problème avec Resident Evil? Parle-nous, Acide. Attends, je suis où, là? Je regarde si c'est pas là où il y avait le pentacle, mais pas du tout. Je suis parti, je sais pas où. On peut aller par là, en théorie. Oh putain. Il n'y a rien là au fond. Ah mais c'est par là là, d'accord. Ah d'accord, donc il n'y a rien par dépôt. Ok. Après ouais, la caméra se prête pas à l'exploration par contre. Aurélie. Oh putain. Après je sais plus si dans les anciens il avait d'autres armes. Je m'en rappelle pas. Mais... Ah, peut-être un boss vu qu'on arrive au sablier. 3, merci. Alors... Bon, du coup, on n'a pas les mises en scène stylées, c'est un peu dommage. Je sais pas si j'améliore ça. De toute façon, et puis, alors, si on peut les modifier, j'imagine qu'il a d'autres armes. Sinon, ce sera un petit peu bizarre. Qu'est-ce qu'on peut améliorer? Le double saut. Ça pourrait être pas mal, mais ça coûte cher. Ça, on s'en sert pas mal, on va l'améliorer. Ok. Fly Dragon. À pompe, ouais, on l'utilise un petit peu moins, j'ai l'impression. On va quand même l'acheter parce que je suis un fou. Hop. Après, RE7, moi j'ai vraiment kiffé parce que c'était voilà, un vrai jeu en mode VR. Peut-être que j'aurais pas eu la VR, j'aurais pas autant apprécié, je ne sais pas. Parce que RE6, ouais, non, c'était horrible. Is Evil Within, ouais. Après, Evil Within, le 2, j'ai moins accroché. Alors, je sais pas si c'est parce qu'il y avait plus l'effet de surprise, j'en sais rien. Ou alors, ils ont simplifié certaines mécaniques. Parce que, alors certes, les allumettes, c'était très chiant dans le 1, mais en fait, ça a donné un peu, si tu veux, un truc au jeu. Une idée. Donc, le 2, ouais, ils l'ont un peu... Oh, they're just gonna let me through. Boy, wouldn't that be the day. Oui, puis le monde semi-ouvert, t'étais sur des maps. Ouais, bah, t'as le même syndrome que tous les jeux d'horreur, plus d'action. Voilà. Il est encore là, lui.
Is it Halloween already? Sparta. That costume looks a little big. I thought you had better taste than that. How about I take it in a little? Et oui, c'est vrai que je me rappelle du mec dans le 1, le méchant. Du coup, je parle de Evil Wolfie. Avec son capuchon blanc là. Je me rappelle plus de son nom, mais visuellement, je me rappelle de sa tronche. Vous voyez que dans le 2, je me rappelle plus de qui c'est en fait. Si, dans le 2, t'avais un boss stylé quand même, c'était celui avec les photos là. Parce que ce truc chelou. Hein. Putain, il m'a l'air d'être un peu vénère. Mais... Stop taper tout le temps! Et stop faire des combos là! Wesh! J'esquive un coup là, laisse-moi te taper derrière! Mais bouge ton cul non? Oh putain, ça il va sortir ses pouvoirs de turbo. What are you doing, bitch? Je sais pas s'il fallait m'éloigner ou taper vite, j'en sais rien du tout. Ah mais des fois je crois que j'ai une ouverture mais en fait non. Et là je suis revenu dedans, je suis vraiment nul. Oh non mais préviens quand tu fais ça non. Faut que j'arrête de croire que j'ai une ouverture à chaque fois. Transformation, wesh. Là, je sais pas si. Bon, on va rester à distance, on verra bien. Je crois que non, c'est pas le bon plan. Ouais, parce qu'il recharge son épée en fait. Non, faut rester à distance en fait. J'ai pas le temps d'aller l'arrêter ou quoi que ce soit. Donc, je vais brûler, mais ça marche pas trop. Après, la régène compense les dégâts que je prends. Merde, il était vulnérable. Oh là. J'aime bien faire des combos dans le vin, c'est ma grande passion. Surtout quand l'ennemi est vulnérable. Qu'est-ce que tu fais? Ouais bah nique ton pain, je vais chercher de la vie, salut. Déjà il y a de quoi se transformer, ok. Je regarde s'il n'y a pas une autre orbe quelque part. Apparemment non. Oh, mais tu te calmes Jacques. Je suis un démon, j'ai de la régène. Tiens, il meurt par mon gun. Bitch.
Ah, ça triche. Like I took in a little too much. You okay? I've been better. Ah oui, la fameuse censure que n'ont pas les Japonais. Nous, on a la petite lumière sur l'arrêt. Don't even think about it. Just rest. Dante. Take care of Trish for me. Dante, wait. Mais Dante, tu peux pas attendre 4 secondes. Vi a un truc à te dire. Après, c'est bon, c'est des fesses, hein. Elle est pas en train d'écarter les cuisses. Y a pas un zoom sur son vagin, enfin. What the fuck. Hein. Puis c'est un jeu 18+, hein. Parce qu'il y a des jeux comme Outlast, je sais pas si vous vous rappelez, mais on voyait vraiment de partie génitale masculine. Hein. Donc bon. What was that demon V? Where did it come from? Urizen is not a demon. I know that for a fact because I'm from the underworld. My god. What are you then? It doesn't matter. I'm a shadow of my former self who lost everything. I will tell you the story of my birth. Ouais, d'accord. Aïe, aïe, aïe. Un S. Alors, par contre, ouais. Alors, je suis content d'avoir des S, mais. Voilà. C'est peut-être un peu facile d'avoir des S. Parce que voilà, je suis pas spécialement bon, et avoir DS sur la moitié des missions, au-delà de la mission 3, je trouve ça un petit peu... Voilà. Après, il y a peut-être moyen d'avoir des WS et des SSS, mais voilà, du coup... Il me semble que dans les anciens, c'était quand même plus compliqué d'avoir un S. Enfin bon, on va pas chipoter. Alors, roue de l'enfer. Ouais. Mais alors, genre, on va jouer avec la moto? Quoi? De nombreuses attaques? Hein? Quoi? On va attaquer avec une moto. Je crois que certains disent que ce genre de censure semble cibler que des jeux d'origine japonais chez Sony. Ouais, je sais pas. Oui, pour vous. Je me plains pas, Charles. Suffering defeat after defeat, that man's body was reaching its limit, breaking down. But he couldn't die yet. The man had a job that must be done. To defeat his twin brother. Dante. To separate man from devil with the strength of the Yamato. And eventually, the man became a true devil. Oh.
Ah donc vie, c'est les vestiges humains de Virgil en fait. Pour faire simple. Ou alors j'ai vraiment rien compris. Hold together my crumbling flesh with what little demonic power I have left, but I'm approaching my limit. In separating and regaining my human soul, I've realized the gravity of the crime I've committed. I've realized how important everything was. Everything I've thrown away in my pursuit of power. Is that why you went to find Dante? Yes. Foolish. I thought that maybe he could change my... maybe fix. Maybe right my wrong. Tell me. Was this fool before you right? I'm not your mommy, V. You're a big boy. And you need to see this through. Dante's war. Bon, mais je suis content, le jeu reste cool. Hein. Yamato. Yamato, bah ce sera pour la prochaine fois, toujours avec Dante. Donc c'est une arme, ok. D'accord, donc on pourra switcher entre l'épée, les poings, enfin les gantelets et la moto. D'accord. On verra ça la prochaine fois. Donc je vous dis donc, donc, merci d'avoir regardé. Et puis à la prochaine pour la suite. Ciao, ciao.